bitewe iteka n'umukuru w'igihugu. Kuri uwa kabiri, Banki Nkuru y'igihugu yatunganije ikiganiro ku gitabo canditswe n'umwigisha muri kaminuza Leonce Ndikumana. Urongoye Berube yavuze ko ataterambere rishoboka atabushakashatsi buhabaye. Ibanki ya Repubulika y'Urundi irashira imbere kuganira no guhanahana amakuru n'ubumenyi. Ibanki ya Repubulika y'Urundi irashima cyane ko ivyumviro biva muri ibi biganiro bidaherera aho, ariko biza birakoregwa ko n'ibisata bitandukanye by'igihugu cyacu. Kukaba nkako ntaterambere rirama atabuhinga n'ubumenyi nyabwo, atakwisuzuma nyako, atabushakashatsi bwiza. Abakera bo bari barayamaze bati intimenya niyo ntinegura. Ibi biganiro na kandi kajyo nyako ko kuraba aho ibindi bihugu bigeze mu iterambere, natwe tukiraba mu kirore, maze ibyiza tukabishimira hamwe, tukabikuza. Ibikenewe gushyirwamo inguvu bikamenyekana, gutyo mu bisata bitandukanye tubagira urundani rukomeye rwo gushyigikira iterambere. Ni muri iyo ntumbero rero Ibanki ya Repubulika y'u Burundi yifashishije abahinga mu by'ubutunzi na cyane cyane abavukagihugu nk'umwigisha Leonce Ndikumana, umwanditsi w'itabo ku by'ubutunzi, akaba n'umwigisha w'amakaminuza yo muri Amerika na Afrika, hamwe na nyakwigendera Dr. Janvier Désiré Nkurunziza. Ibanki Nkuru y'Igihugu yagiye iratunganya ku mwaka kuva mu 2019 amanama yo kuganira ku by'iterambere ry'igihugu cyacu. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, banyakubahwa batumire bahire. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi irashima cyane ko ivyumvira biva muri ibi biganiro bidaherera aho, ariko biza birakora kirore. La plupart de nous anigwa mu mwanya muza kumara ngaha mukurikirana iki kiyago. Imana ibahezagire cyane kandi ihezagire u Burundi n'Abarundi. Murakoze cyane. Iki kiganiro canke kicigwa cashikirijwe mu rurimi rw'Igifaransa, tuzoheza tukibategurire mu Kirundi. Musi abumva Igifaransa, ni mwe muracumviriza. Tuzoheza tubagirire n'umwihwezo kuri kicigwa. Umugomba mwumvirize n'umworosha akaba ari uyu bicaranye n'umwigisha, niwe aza kumwakira kugira ngo atangure icigwa. Son excellence monsieur le président de la République du Burundi, son excellence monsieur le premier ministre de la République du Burundi, les ministres ici présents, monsieur le gouverneur de la République, le gouverneur de la Banque de la République du Burundi et tous les autres en bons honneurs respectifs, bonjour. Alors, j'ai une tâche ce matin d'introduire professeur Leonce Ndikumana. Une tâche, si vous voulez, simple et compliquée. Simple dans le sens où il est connu de tous, mais compliquée parce qu'on ne sait ni où commencer, ni où terminer. Mais quand même, c'est vraiment un très grand plaisir et honneur pour moi de pouvoir le faire. Alors, Leonce Ndikumana est actuellement professeur émérite d'économie. Je crois que l'anglais le dit mieux. Distinguished Professor of Economics, c'est à l'Université de Massachusetts à Amherst aux États-Unis d'Amérique. Il occupe ce titre académique depuis 2019. Il s'agit d'un titre académique attribué à certains des meilleurs professeurs d'université pour leur contribution exceptionnelle à la recherche et à l'enseignement. Des professeurs qui se sont distingués en tant que chercheurs créatifs dans leur domaine de recherche. Et si je ne me trompe pas, ils sont pour le moment seulement à deux dans le département d'économie de l'Université de Massachusetts à Amherst à avoir ce titre académique. Il est aussi depuis 2011 directeur du programme de politique de développement en Afrique, African Policy Program. Il s'agit d'une branche de l'Institut de recherche d'économie politique qui est une unité de recherche indépendante de l'Université de Massachusetts à Amherst.
Dans le passé, il a aussi occupé plusieurs postes. Par exemple, entre 2006 et 2008, il était responsable de l'analyse des politiques macroéconomiques à la Commission économique pour l'Afrique. Et de 2008 à 2011, il était à la Banque africaine de développement, où il était, entre autres, directeur de département de recherche. De 2013 à 2018, il était membre du comité des politiques de développement des Nations Unies. Professeur Léon Sindikoumana a publié plusieurs articles scientifiques et livres. Hier, je me suis amusé à les compter et j'ai trouvé qu'ils sont de plus de 80 publications. Ça doit approcher autour d'une centaine. Ses intérêts de recherche tournent surtout autour de l'Afrique des capitaux d'Afrique subsaharienne, les politiques macroéconomiques en Afrique subsaharienne, ainsi que les flux financiers et le développement économique en Afrique. Il est membre du comité de rédaction de certaines revues comme le Journal of African Development, African Development Review et Z Africa Politics and Development in Contemporary Africa et les autres. Il a obtenu au cours de sa carrière plusieurs prix et récompenses. Il a inspiré et continue d'inspirer plusieurs du milieu académique, dont moi. Parmi tous ces intérêts de recherche dont j'ai énuméré, je crois que celui qui le préoccupe le plus est la fuite des capitaux d'Afrique subsaharienne. Depuis plusieurs années, professeur Léon Sindikoumana fait ses recherches sur ce sujet en collaboration avec son collègue professeur James Boyce, en se focalisant surtout sur l'ampleur de la fuite des capitaux d'Afrique, ses causes et ses conséquences. Ces travaux ont conduit à une création de la base de données de la fuite des capitaux d'Afrique qui est actuellement accessible en ligne sur le site de Political Economic Research Institute, PERI. Ainsi. Alors, ces recherches sur la fuite des capitaux ont abouti à des livres et plusieurs articles scientifiques, comme je l'ai dit. La plupart de nous connaissent certainement son ouvrage intitulé « La dette odieuse de l'Afrique ». Comment l'endettement et la fuite des capitaux ont saigné en continent. Dans cet ouvrage, professeur Léon Sindikoumana et son collègue, professeur James Boyce, montrent les liens entre les pays étrangers et la fuite des capitaux. Ils montrent que plus de la moitié de l'argent emprunté par les gouvernements africains dans ces dernières décennies a fui dans la même année. Entre-temps, il y a le service de la dette qui continue à drainer les ressources rares de l'Afrique, réduisant ainsi les fonds disponibles pour la santé publique et d'autres besoins de base. Dans son livre, il conclut que la fuite des capitaux n'est pas seulement de l'argent volé, mais des vies perdues. Il y a cet ouvrage aussi qui a fait une révélation importante et choquante que contrairement à la perception populaire, l'Afrique est en fait un créancier net du reste du monde. Je crois qu'il va, il va aussi en discuter dans, probablement dans sa présentation aujourd'hui. Alors, la présentation que le professeur Léon Sindikoumana va nous faire aujourd'hui est une continuité de ses recherches sur la fuite des capitaux d'Afrique, avec un focus aujourd'hui sur les pilleurs et les facilitateurs. J'aimerais vous demander de m'aider à l'acclamer en l'invitant pour commencer sa présentation. Je vous fais donc. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Secrétaire général du Parti CNDD-FDD, Excellence, Messieurs, Mesdames les membres du Parlement, Excellence, Messieurs, Mesdames les ministres, Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale du Burundi, Mesdames, Messieurs les représentants, représentantes des institutions internationales et des partenaires au développement, Messieurs, Mesdames, les invités et participants, aussi bien ici qu'en ligne, chers amis, chers membres de famille, chers économistes qui ont participé à la session de formation sur les politiques économiques au Burundi et l'économétrie qui sont dans son coin-là. Et je leur ai promis que toutes les questions difficiles seront dirigées à eux. Bonjour à tous.
Pour commencer, j'aimerais en mémoire à mon ami qui nous a quittés. C'est la première fois que je fais une conférence à lui. C'est difficile. Je remercie la Banque centrale qui m'a permis d'être ici et de partager avec vous les fruits d'un travail d'équipe qui a généré un livre qui est celui-ci, La fuite des capitaux d'Afrique, les pilleurs et les facilitateurs. Mais ce travail est une continuation des travaux que nous avons commencé avec mon collègue Jim Boyce depuis longtemps. Et donc, je vais aussi tirer profit des travaux qui ont précédé. Donc, si on peut commencer la présentation, s'il vous plaît. Donc, ce travail est le fruit d'un travail d'équipe de plusieurs membres de l'Académie, des journalistes, investigateurs et aussi des historiens de l'économie africaine. Certains, ils étaient... on va voir si la technologie va nous aider. Oh, wow! Voilà. Donc ça vous donne un échantillon de nos travaux qui ont commencé avec un livre sur la dette, les dettes odieuses de l'Afrique, qui en fait montre, comme mon frère Arcade a dit, que l'Afrique en fait, au lieu d'être financée par le reste du monde, est un financeur du reste du monde. Si vous comptez l'argent qui vient en Afrique et l'argent qui en sort, est plus important. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter le livre qui a été publié en 2022 en anglais et qui vient de paraître en français, qui est le dernier. Mais aussi, je vais tirer des leçons d'un travail qui continue, un projet sur la fuite des capitaux, mais se focalisant sur le cas des pays riches en ressources naturelles, en mines, en pétrole et aussi en produits agricoles d'exportation qui est financé par la Carnegie Corporation of New York. Voici donc l'équipe des auteurs. Alors, pourquoi est-ce que on s'intéresse à la fuite des capitaux? Ici, je vous montre une image à l'hôpital universitaire de l'Université de Brazzaville où les gens doivent transporter les malades sur des brancards parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et pourtant, le pays est un grand exportateur de producteurs de pétrole, qui est une source d'énergie. Comment est-ce qu'un producteur de pétrole n'arrive pas à générer son énergie? Ici, je vous montre le cas de l'allocation des dépenses, des ressources au secteur de la santé. En 2001, les pays africains, les gouvernements africains se sont rencontrés à Abuja et ils ont déclaré qu'ils vont allouer au moins 10% des dépenses du gouvernement aux soins de santé. Et comme vous le voyez, en 2021, il y avait seulement deux pays qui avaient atteint de cet objectif, les autres ils cherchent encore. Pour le Burundi, vous voyez que la plus dernière, c'est 7,3%, mais ça vous montre que le Burundi, à un certain moment, a atteint les 10%. Donc, avec un peu d'effort, on peut y arriver. Alors, pourquoi se soucier du problème de la fuite des capitaux? C'est que le développement doit être financé. Et si l'argent mobilisé par un pays disparaît et va être emmagasiné dans les pays étrangers, c'est que le pays n'a pas assez de ressources pour financer ses projets de développement comme les routes, les écoles et tout ça. La fuite des capitaux a aussi des effets multiples sur l'économie, des effets négatifs, notamment les déficits fiscaux. Si
si le gouvernement mobilise des fonds, si des entreprises exportent et que cet argent disparaît et est transféré dans les banques étrangères, c'est que l'État doit continuer à s'endetter. C'est que l'État est en train de dépenser plus qu'il ne reçoit. Mais aussi, la fuite des capitaux en fait, empire les inégalités économiques dans le sens où les gens, les élites qui sont capables de soutirer l'argent et de l'exporter sont effectivement au-dessus de l'échelle des revenus. Donc, ils s'enrichissent de plus, mais aussi l'argent qui est conservé à l'extérieur est protégé contre les effets de la dévaluation de la monnaie nationale. Donc, si pour les travailleurs, par exemple, qui sont payés en franc-bout et leur ressource, leur richesse est en franc-bout, dès que le franc-bout se déprécie, ils perdent de la richesse. Mais quelqu'un qui a son argent dans le Cayman Islands, en Suisse, il est protégé contre la dévaluation du franc-bout. Donc, les inégalités vont augmenter. Encore que, étant donné que le gouvernement, à cause de la fuite des capitaux, n'a pas assez de ressources pour financer l'éducation, la santé et tout ça, c'est-à-dire que le citoyen moyen est déprivé aussi des services publics, alors que l'élite qui a de l'argent à l'étranger va envoyer ses enfants étudier à l'étranger, va se faire soigner à l'étranger. Donc, il est immunisé contre les effets de la fuite des capitaux. Mais aussi, c'est que ça crée une relation corrosive. Il y a une relation corrosive entre la fuite des capitaux et la gouvernance. Donc, une mauvaise gouvernance facilite la fuite des capitaux, mais la fuite des capitaux aussi érode la qualité de la gouvernance, puisque les gens qui sont en train de dissimuler l'argent et de l'exporter, ils vont tout faire pour corrompre les membres qui sont chargés de la régulation des transactions internationales au niveau du commerce et des finances. Alors, la fuite des capitaux, c'est quoi? Il s'agit de fonds qui ont été acquis illégalement, légalement, mais qui sont transférés illégalement. Il s'agit de fonds aussi qui sont à l'étranger, sont maintenus à l'étranger illégalement. Ça veut dire quoi? Tout Burundais a le droit d'investir à l'étranger. Ça, c'est la loi burundaise. Mais si vous investissez à l'étranger, si vous détenez des comptes à l'étranger, il faut qu'ils soient déclarés. S'ils ne sont pas déclarés, alors vous avez violé les lois les lois nationales concernant l'investissement, le commerce. Alors, ça veut dire que dans les ressources financières des résidents burundais qui sont à l'étranger, il y a un mélange très complexe. Il y a des fonds qui ont été acquis légalement et qui ont été investis ou déposés à l'étranger légalement. C'est par exemple si un Burundais, un investisseur, ouvre une entreprise au Kenya, ça c'est de l'argent qui est au Kenya, mais légalement qu'il a déclaré au ministère du Commerce, à la Banque centrale, ça c'est de l'argent qui est sain, c'est du capital sain. Mais il y a de l'argent qui peut être acquis légalement, donc quelqu'un a gagné de l'argent dans son commerce, dans son travail, mais décide de le transférer illégalement, l'argent va dans des valises le soir quand tout le monde est endormi. C'est une image que je donne. Il n'est pas déclaré à la Banque centrale. Là, c'est de l'argent qui devient maintenant illicite, puisqu'il n'a pas suivi les règles du gouvernement. Alors, il y a de l'argent qui est acquis illégalement, mais qui est transféré légalement. Vous allez me demander comment ça se passe. Quelqu'un s'engage dans un commerce illicite. Il vend de la drogue, il fait des choses. Mais il arrive à rentrer cet argent dans le circuit bancaire formel. On appelle ça quoi? Le blanchiment de l'argent. Dès que l'argent arrive à la banque, il peut le transférer à l'étranger dans son entreprise, dans sa banque,
en déclarant formellement à la Banque centrale. Et dans ce cas, ça va apparaître dans la balance des paiements, donc ça apparaît comme si c'était légitime. Mais quand même, l'origine est illicite. Alors, il y a de l'argent qui est acquis illégalement, volé, qui vient du commerce illégal, et qui est transféré illégalement. Là, alors, c'est de l'argent purement ça. Alors, les travaux statistiques, pour les travaux statistiques, c'est difficile de décerner exactement où se trouve, dans quel cadre, dans quel casier se trouve l'argent. Mais nos travaux concernent à voir s'il y a des disparités entre l'argent qui vient dans le pays et la façon dont cet argent est utilisé. S'il y a de l'argent qui vient dans le pays et qui disparaît, on ne voit pas comment il a été utilisé. Ça, on appelle la fuite des capitaux. Mais ça veut dire que notre calcul ne capte pas tous les flux illicites. Parce que, par exemple, le blanchiment d'argent n'est pas capté dans nos calculs puisque l'argent sort enregistré dans la balance des paiements. Ce qui veut dire que nos estimations que nous donnons ici sous-estiment l'ampleur de la fuite des flux illicites des capitaux. Alors, c'est quoi la fuite des capitaux? La fuite des capitaux, simplement, dit en français ou en anglais, en guironie, c'est de l'argent qui sort du pays, c'est du capital qui sort de l'argent du pays sans être déclaré. C'est-à-dire, c'est de l'argent qui a été acquis par le, gagné par le pays sous les exportations, les dettes, les transferts des fonds privés, qui normalement devrait servir à faire quoi? À couvrir le déficit du compte courant. Et le reste devrait être emmagasiné dans les réserves. Donc si le Burundi gagne 100 millions en devises et utilise 80 pour payer les importations, la dette et tout ça, il devrait rester 20 millions dans les réserves. Mais quand on fait les calculs, on trouve qu'il y a de l'argent qui a été gagné ou qu'on ne trouve pas. C'est-à-dire l'argent disparaît. Bizarrement comme ça, magiquement. Je sais que ce n'est pas magique. Ça va dans les poches des comptes bancaires des gens. Un des mécanismes les plus courants de la fuite des capitaux, c'est la falsification des factures de commerce international. C'est quoi? Au niveau des exportations, normalement, quand un exportateur exporte pour 80 millions, il doit déclarer 80 millions à sa banque qui déclare à la BRD. Les 80 millions de recettes. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que l'exportation vaut 80 millions, c'est-à-dire que l'acheteur a payé 80 millions, mais l'exportateur déclare 60. Et les 20 restent à l'extérieur. Donc, au pays, il ne rentre que 80 millions. Au niveau des importations, c'est le contraire. Pour accueillir des réserves, des dollars ou des euros qui ne va pas déclarer, l'importateur va dire que ils vont importer des marchandises pour 50 millions. Ils vont à la banque, ils disent je vais importer pour 50 millions. Ils obtiennent 50 millions de dollars. Mais en fait, les marchandises, c'est seulement 40 millions. Il a obtenu 40, il utilise seulement 30, le reste, il a un magazine dans son compte de Cayman Islands ou de Genève ou je ne sais où. Ou alors, il utilise pour acheter des marchandises qu'il ne va pas déclarer la contrebande. Et ça veut dire que le pays est en train de perdre des devises. Donc les deux formes de participation sont très, très importantes. Je vais donner des illustrations pendant la présentation, vous allez voir. C'est pas de la blague. Alors, ici, je vais vous donner un résumé de nos estimations de la balance de la fuite des capitaux en utilisant cette formule qui est les ressources moins les utilisations et la différence c'est la fuite des capitaux. À gauche, vous avez le total de la fuite des capitaux de 1970 à 2018. Bientôt, on va faire
de mise à jour de nos calculs. Et vous voyez que sur cette période, l'Afrique a perdu 2 milliards. En anglais, c'est trillion. Pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, en 2018, combiné, les PIB des pays africains au Sud-Sahara étaient de 1,78. Donc c'est comme si on avait exporté toutes les économies subsahariennes dans ce qu'on appelle les offshore financial centers. C'est ça la richesse de l'Afrique qui est emmagasinée à l'extérieur par le biais de l'Afrique des capitaux est égale à peu près au PIB des pays subsahariens. Donc c'est grand. C'est très, très important. Alors, on essaie de comparer avec les autres flux. On vous dit l'Afrique est dépendante de l'aide, dépendante de la dette et tout ça. Mais quand vous comparez, vous trouvez que l'Afrique, en fait, a envoyé au reste du monde plus qu'elle n'a reçu. Beaucoup, beaucoup même plus. En moyenne, par an, c'est le panel à droite, vous voyez que l'Afrique perd à peu près 60 milliards de dollars par an. Elle reçoit 47 sous forme de l'aide et 35 sous forme d'envoi de fonds. Donc, le solde nous dit clairement que l'Afrique donne au reste du monde plus qu'elle ne reçoit. Ça, c'est vrai pour tous les pays africains. Alors, si on regarde les montants par pays, ce qu'on remarque, c'est que clairement, les pays riches en ressources naturelles sont les plus exposés au problème de la fuite des capitaux. Donc, les pays riches en pétrole, en minerais, sont les plus exposés. C'est-à-dire qu'au lieu de bénéficier des fruits de l'exploitation des réserves en mine et en or, ces pays sont en train de financer le reste du monde. C'est grave. Alors, un exemple pour le Burundi. Pour le Burundi, c'est un des pays qui est dans les chantiers qu'on a utilisés. Pour le Burundi, ceci est en dollars constants de 2018. Le Burundi a perdu au total 5 milliards de dollars. Là, c'est pas petit. C'est à peu près la même taille que le PIB, pour vous donner une idée. Et la plus grande partie disparaît sous les surfacturations et sous-facturations des importations et exportations. Alors, quelles sont les causes générales principales de la fuite des capitaux? D'abord, la mauvaise gouvernance économique permet aux gens de dissimuler l'argent sans être attrapés ou même s'ils sont attrapés, il y a rien qui se passe. L'autre, c'est la gestion la mauvaise gestion des ressources naturelles où, au lieu de profiter de l'exploitation des ressources naturelles, les bénéfices vont aux compagnies internationales, des multinationales qui exploitent les ressources. Je vais vous donner un exemple et vous verrez que on n'arrive même pas à réconcilier les statistiques des pays au niveau des exportations et au niveau des importations. Et souvent, c'est comme si de l'or apparaît à Dubaï, marqué provenance Afrique, mais aucun pays africain ne déclare être l'origine. C'est bizarre. C'est comme si l'eau parachute à Dubaï, de l'Afrique. Et c'est comme si les pays africains ne savent pas mesurer l'or qu'ils exportent à Dubaï. C'est pas par hasard. L'autre, c'est le problème de la gestion de la dette extérieure. Dans nos analyses, on a trouvé qu'il y a une relation très étroite entre l'entrée des dettes publiques et la sortie des capitaux illicites. Et on a trouvé que en moyenne, plus de 60%
de chaque dollar qui est emprunté retourne dans les pays prêteurs. C'est-à-dire que l'Afrique n'utilise que 40 cents. Mais l'Afrique doit payer tout le dollar. OK? Et chaque, c'est ça le genre de dette qu'on appelle odieuse, où l'Afrique n'en bénéficie pas, mais quand même, elle doit payer. Et comment ça se passe? C'est l'idée des projets qui sont financés, mais seulement une fraction de la dette est en fait utilisée dans le projet. Certains auraient entendu cette anecdote, mais je vais la donner. C'est un ministre d'un pays en développement qui va dans un pays développé, qui est reçu, et à la fin, dans un dîner, le ministre qui le reçoit, il dit, son collègue, il demande à son collègue, mais comment tu as eu une belle maison dans un salaire d'un ministre? Il dit, il ouvre le rideau, il dit, tu vois cette autoroute? Il dit, 10%. OK. Le ministre des pays en développement, il rentre. 2 ans après, il reçoit le ministre des pays développés, qui est à la maison. Il dit, mais tu m'avais dit que tu as un petit salaire de ministre, quand même. Oui, tu as eu une maison aussi, il y a de l'or partout. Il dit, il ouvre la fenêtre, il dit, regarde, tu vois ce barrage? Il dit, il n'y a pas de barrage. 100%. Voilà. Mais entre-temps, le crédit a été donné et le crédit a été utilisé. C'est ça, un des phénomènes qui alimente la fuite des capitaux. Et ce qui facilite cette fuite des capitaux, c'est que le système international bancaire, il est tout simplement opaque. Puisque quand vous regardez les lois bancaires de chaque pays, c'est clair que chaque banque doit vérifier l'origine des fonds qui sont déposés à la banque, n'est-ce pas? On a des banquiers dans la salle, ils passent toute la journée à faire ça. Moi, en tant que citoyen ordinaire, si je reçois un transfert dans mon compte, il est vérifié par la banque, et souvent, selon le montant, on vous donne des jours où on ne peut pas utiliser ça, à la fin du contrôle. Et nous, on se demande comment est-ce que, pour un citoyen ordinaire qui reçoit 1 500 dans son compte, c'est vérifié, et quelqu'un qui met 1 million, ce n'est pas vérifié. C'est quoi? Chaque fois, on me dit, Léon, on vérifie ton argent parce que tu n'en as pas assez. Il faut envoyer un montant qui est plus important. C'est ça. Donc, des banques, des institutions, des banques dans les pays où l'argent africain est envoyé ne nous aident pas. Ils ne suivent même pas leurs règles qui sont écrites dans leur statut. Alors, ce livre utilise le cas de 3 pays, l'Angola, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, qui sont différents, mais quand même qui ont des similarités, dans le sens où ce sont des pays très, très riches. L'Angola, un grand producteur de pétrole, la Côte d'Ivoire, le premier exportateur de cacao, et l'Afrique du Sud, ils ont tout. OK? Mais l'Angola... En Angola, 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Mais si vous allez à Luanda, vous allez voir la richesse partout. Et la pauvreté partout aussi. À Côte d'Ivoire, pendant qu'ils dominent le monde en exportation de cacao, les cultivateurs de cacao sont aussi pauvres que les autres. Quand j'ai présenté ce livre à la BAD, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que c'est vrai que les planteurs de cacao, ils ne sont pas riches? Il y avait des collègues qui sont ivoiriens, et un a dit que sa famille cultive du cacao. Et il a dit qu'il a été le seul dans la famille à aller à l'école secondaire, puisque la famille ne pouvait pas payer pour les autres. Et entre-temps, le cacao, il est prisé. Il faut alors demander, est-ce que le planteur de café au Burundi peut envoyer ses enfants à l'école secondaire, à l'université, avec les revenus du café? Parce que le café, il est très prisé. Mais combien va au planteur de café?
Pour l'Afrique du Sud, on a trouvé un système qui est corrosif, où la richesse du pays va dans les poches des entreprises et des gens qui sont connectés avec le gouvernement, qui ont des connexions partout au monde et qui arrivent à transférer la richesse dans les pays, dans les banques étrangères. Donc ici, je vais vous donner quelques en résumé, les résultats pour chaque pays. Donc pour l'Angola, sur la période de 1986 à 2018, ils ont perdu 100 milliards de dollars par la fuite des capitaux. Et par an, ils perdent 4 milliards. Ça, c'est presque le double de ce qu'ils dépensent sur la santé. Vous voyez combien ils pourraient augmenter les dépenses sur la santé, l'éducation et tout ça. Pour la Côte d'Ivoire, 55 milliards en sont disparus dans les nuages et chaque année, ils perdent 1 milliard. L'Afrique du Sud a perdu 329 milliards de dollars, à peu près 16 milliards par an qui s'enfuient. Pour l'Angola, juste quelques faits. Ce qui est bizarre pour l'Angola, c'est que normalement, pour tous les pays qu'on a observés, le flux net d'investissement direct étranger est en faveur du pays. C'est-à-dire qu'il y a investissement étranger, il y a de l'argent qui vient et il y a des rapatriements de profits et tout ça, on paie le net. Pour l'Angola, il y a plus d'argent qui va à l'extérieur de l'Angola qui n'arrive à Angola. C'est-à-dire que les Angolais, ils investissent à l'étranger plus que les étrangers investissent en Angola. Et une des explications que les gens nous ont dit, c'est que les riches, les Angolais riches n'habitent pas en Angola. Donc, ils doivent amener l'argent là où ils habitent. C'est dommage. Et l'Angola, c'est le cas typique de ce qu'on appelle le resource curse en anglais, c'est quoi? Le mal hollandais. Où un pays découvre des ressources naturelles et en fait devient plus pauvre. C'est un danger qui hante tous les pays qui découvrent des ressources naturelles. Ça se fait comment? D'abord, vous découvrez le pétrole, vous abandonnez le café. Ça, c'est un. Deux, vous découvrez le pétrole, il y a tellement de dollars qui entrent dans le pays que le salarié n'arrive plus à acheter des haricots, dont la vie devient plus chère. C'est ça le mal hollandais. Donc, au lieu de se développer, le pays va à reculons. Et entre-temps, c'est une illustration aussi de comment le système international, bancaire international, aide à vraiment spolier la richesse des pays africains. Puisque cet argent qui est collecté par l'élite angolaise n'est pas à Luanda. Il est à Lisbonne et dans d'autres capitales. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie angolaise est en train d'alimenter le système bancaire européen. Encore une fois, parce que l'élite habite là-bas. Pour la Côte d'Ivoire, qui exporte du cacao, on voit que le producteur du cacao reste pauvre comme le producteur de maïs ou de blé. Donc, ils n'ont aucun avantage. Et ils souffrent d'un grand problème de falsification des factures de commerce du cacao. Mais aussi pour le cacao, pour le cacao de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui a commencé même avant la colonisation, où l'élite captait la majorité des revenus et des bénéfices du cacao. Et c'est comme si la colonisation a été perpétuée même après l'indépendance. Et ici, n'allez pas blâmer la colonisation, puisque sous le régime national, le système a continué. Et c'est un système où vous trouvez que ce sont les entreprises étrangères qui dominent. Et dans le projet que nous sommes en train de faire maintenant, on a le cas du Ghana, qui est le deuxième producteur de cacao. Les résultats sont vastement différents. Pour la Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à retracer les exportations.
Pour le Ghana, les chiffres sont très consistants. Et on se demande pourquoi. Et là, l'organisation industrielle du secteur. Au Ghana, il y a une entreprise nationale, Cocobot, qui gère tout. Et il travaille, et l'entreprise travaille avec les privés qui sont impliqués dans la collecte des cocos. Mais c'est l'entreprise nationale qui est responsable de l'exportation du cacao. Donc, pour le Ghana, chaque dollar d'exportation du cacao rentre à la Banque centrale du Ghana. Pour la Côte d'Ivoire, on ne sait pas, moi je ne peux pas vous dire où va l'argent. Donc, est-ce qu'on peut avoir une élection pour le café, le thé? On peut en discuter. Voilà une illustration de comment, de qui bénéficie. Pardon. Qui bénéficie de l'exploitation du cacao? Le cacao produit un produit que tout le monde aime, la majorité des gens aiment, le chocolat. Ça, c'est la distribution de la valeur du chocolat, lait, au lait, rendu en Europe. Donc, quand vous achetez du chocolat, qui gagne la valeur de ce chocolat? On trouve que c'est en fait les entreprises qui font la transformation du chocolat. Ils obtiennent 51%. Ensuite, c'est les distributeurs qui prennent le produit ici et l'amènent là-bas. Ils n'ont rien produit. Ils ont juste mis le produit sur le camion et l'ont amené. Et qu'est-ce qui va au producteur? 4%. Encore une fois, mes chers collègues, je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans le secteur café, thé et tout ça. Je vous demande d'aller dans vos statistiques et me dire c'est combien le pourcentage de la valeur internationale du café qui va au planteur. Ici, c'est la question de chaîne de valeur. Si vous êtes en bas de la chaîne de valeur, vous avez 4%. Alors, je vais vous demander aussi, dans la partie de la chaîne de valeur où il y a plus d'accumulation de la richesse, c'est combien d'entreprises burundaises qui sont dedans? C'est combien le capital burundais qui est dans la partie où on génère de la valeur? Si ce sont des entreprises étrangères, allez deviner combien vous allez avoir du café comme source de développement. Donc, organisation industrielle du secteur, très, très important. Ici, je vous donne quelques statistiques sur les mystères du cacao en Côte d'Ivoire. Ce que je dis, le cacao ivoirien mystérieux. Où va le cacao ivoirien qui est destiné aux Pays-Bas? La Côte d'Ivoire dit qu'elle exporte 18 milliards, mais aux Pays-Bas, on voit que c'est 17 milliards. Ça, je ne sais pas ce qui se passe. Mais en même temps, la Côte d'Ivoire dit qu'elle a exporté seulement 12 milliards aux États-Unis. Mais les États-Unis ont trouvé 1,5 milliard de cacao qui sont venus du ciel. C'est-à-dire que quelqu'un s'est trompé dans l'enregistrement. Je ne sais pas. J'espère qu'ils se sont trompés. Alors, pour l'Afrique du Sud, beaucoup de faits nous ont beaucoup étonnés. L'un, c'est l'exportation des minerais. Donc l'Afrique du Sud a beaucoup de minerais et on n'arrive pas à réconcilier les statistiques de l'Afrique du Sud et les statistiques des importateurs. Et là, on a trouvé que ne fût-ce que la falsification des transactions internationales, l'Afrique du Sud a perdu 133 milliards. Seulement sur la période de 1990 à 2018. Ça, c'est beaucoup d'argent. On a essayé de voir est-ce que la fuite des capitaux est due à de mauvaises politiques économiques. Ce qui voudrait dire que si on libéralise l'économie, on va freiner la fuite des capitaux. Non. Ça ne freine pas la fuite des capitaux. On a dit, l'Afrique du Sud, à un certain moment, à
le gouvernement de l'ANC a dit on va donner amnistie aux gens qui ont de l'argent à l'étranger, de le ramener, ils ne vont pas payer la taxe, la pénalité de taxe. Évidemment, il y en a qui renvoient l'argent, on le voit à court terme, mais le circuit recommence de la fuite des capitaux. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs structurels donc, qui entraînent la fuite des capitaux auxquels il faut faire attention. L'autre fait vraiment troublant, c'est comment, à cause de la mauvaise gouvernance, de la corruption, les entreprises publiques en fait ont été considérées comme des vaches au lait, qui enrichissent des gens qui sont connectés avec le système. On a fait le profil d'une famille qui s'appelle Gupta, d'origine indienne, mais qui sont établis dans l'Afrique du Sud précédente, tous les secteurs, très connectés même jusqu'au sommet. Ils étaient des partenaires de la famille de Zuma et tout ça. Et on remarque qu'avec ça, ils sont capables d'avoir des contrats dans tous les secteurs du pays, envoyer l'argent à l'étranger, personne ne les embête. Mais je pense qu'ils ne sont pas uniques. Si on cherche, on va trouver d'autres cas. Ici, c'est l'exemple du commerce de l'or. Vous voyez que l'Afrique du Sud dit qu'ils ont envoyé seulement 2,7 milliards d'or à Hong Kong, mais Hong Kong a trouvé 30 milliards d'or sud-africain. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Ils ont oublié d'enregistrer ça en Afrique du Sud. C'est comme s'il y avait de l'or qui est orphelin. L'or sud-africain n'a pas de parents. Il est venu d'où? Quand j'ai fait la première étude sur les transactions de minerais en Afrique du Sud, c'était dans une étude du CNESET. On a failli me pendre parce que j'étais pas un bon citoyen africain. C'était de la honte pour l'Afrique, qu'ils ne gèrent pas les biens comme il faut. Et on dit qu'ils vont me traduire en justice. Moi j'ai utilisé des faux statistiques. Je leur ai envoyé les tableaux. Je dis, voici les tableaux d'analyse. Mettez en parallèle vos statistiques. J'attends encore. Ça, c'est illustration pour le Burundi, le cas de l'or. Ici, on a une analyse où on fait on regarde les statistiques qui sont dans les livres du pays, qui sont envoyées aux Nations Unies, comme fait, et les statistiques qui sont dans les livres des importateurs. Pour les Émirats Arabes Unis, le Burundi dit qu'il a exporté 765 millions d'or, mais d'une façon ou d'une autre, les Émirats ont trouvé 1,4 milliard d'or. Burundi, orphelin, il n'a pas de père. D'où est-ce que cet or vient? Je ne sais pas si ça continue, mais à un certain moment, le gouverneur va me corriger. À un certain moment, je pense que la BRB voulait centraliser l'exportation de l'eau, que ce soit connu. L'eau qui sort du pays, on peut mesurer, on peut évaluer, et les rentrées peuvent revenir au pays. Puisque l'un des problèmes avec les minerais, et surtout ce qu'on appelle les pierres précieuses, c'est qu'ils sont faciles à sortir du pays. Il est difficile de prendre des tonnes de cuivre dans la nuit alors que personne ne voit. Mais il est facile de prendre 5 kg d'or et se profiler dans les lignes de la douane et tout ça. Et on remarque que les pierres précieuses sont les plus sujettes à la sous-facturation et à la contrebande. J'étais en Zambie le mois passé. C'est un pays que j'exploite aussi pour l'étude au cas du projet à présent. Et c'était très amusant. On était intéressé dans le secteur artisanal et petite échelle. On a visité plusieurs sites pour Emerald et de l'or. Bizarrement, il y a des entrepreneurs qui sont dans le secteur pendant 5 ans, 10 ans. Et quand on leur demande la production, c'est quoi? Ils disent, on fait la prospection toujours.
Et je dis, d'après vos analyses, ça prendra encore combien de temps pour que vous commenciez à produire? Il dit, on pense qu'on est là. I think we are almost there. Donc, on est presque là. Et systématiquement, ils ont dit ça. Et alors, on a dit, est-ce qu'on peut voir les échantillons d'Emerald? La responsable du site a dit, oui, oui, on peut vous montrer ça. Mais quand on a fini la réunion pour aller voir les échantillons, quelqu'un est venu souffler dans son oreille et a dit, je ne sais pas ce qu'il a dit. Et on a dit, oh, les échantillons ne sont pas prêts, donc la fois prochaine. Si tu ne produis pas, tu ne vas pas nous montrer des échantillons. C'est clair. Un autre exemple, c'est un cas qu'on nous a relevé d'une entreprise qui avait obtenu un certificat de prospection, continué la prospection, et à un certain moment, quelqu'un les a appelés. Hey, votre entreprise de prospection, là, elle est déjà listée sur le Stock Exchange de Londres. Comment est-ce que si vous n'avez pas produit, vous allez être listé sur base de quoi? Donc, les entreprises les découvrent et produisent, mais les produits quittent le pays le soir, la nuit, quand tout le monde est endormi. Le Burundi est un pays qui a beaucoup de ressources. Et c'est un secteur où vous allez trouver des tailles assez petites, moyennes des entreprises d'exploitation. J'implore le gouvernement d'avoir une stratégie très claire, qui est transparente, où on peut évaluer la production, surtout de petites et moyennes quantités. Là, il y a beaucoup de fuites. Beaucoup de fuites. Le fait que les gens... Et puis, tu es financier, tu es entrepreneur. Tu vas rester dans une entreprise où tu injectes de l'argent et ne gagnes jamais de revenus. C'est quelle entreprise ça? Même si c'était gratuit, l'argent, quand même, tu ne vas pas continuer à jeter dans le trou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent qu'ils continuent à prospecter. Mais on voit des trous béants. Qu'est-ce que vous retirez de là? Il y a beaucoup de questions à se poser. L'autre chose qu'on a vu, c'est que la fuite de capitaux est facilitée par le fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Donc, il y a les entreprises, il y a les individus qui soutirent l'argent, qui soutirent les produits qu'ils exportent, qui déposent l'argent dans les banques étrangères, mais aussi il y a beaucoup d'entités qui facilitent les banques, les comptables, les juristes, les avocats, qui les aident à fabriquer des entreprises seulement nominatives dans les paradis fiscaux. Aujourd'hui, si vous voulez créer une entreprise dans un paradis fiscaux, vous n'avez pas besoin de vous lever de votre chaise. Allez sur votre laptop, prenez votre iPhone. Avant qu'on finisse la conférence, vous aurez une entreprise dans Cayman Islands. Votre nom n'apparaîtra nulle part. Et vous commencez les transactions. C'est ça, le monde qu'on vit. Raison pour laquelle les pays maintenant doivent investir beaucoup dans ce qu'on appelle, je vois ça là-bas, intelligence financière. Ça, c'est très, très important. La digitalisation, l'intelligence financière, pour pouvoir retracer les mouvements des transactions internationales. Ici, ça vous donne une image qui est poignante. D'un pays qui est très riche, on a vu qu'il perd beaucoup d'argent chaque année par la fuite des capitaux. Une partie de la population s'enrichit, une autre partie de la population devient de plus en plus pauvre. Ici, ça vous donne une image de quartiers, l'un qui est très très riche, Primrose, et l'autre qui est un quartier des pauvres, Macaros. Et ça aussi, c'est un peu ironique. Vous avez un problème de pauvreté. Il y a trois façons de faire face à un problème. Un, tu renies le problème. Deux, tu blâmes un autre. Troisième, tu retrousses les manches et vous travaillez sur le problème. Ici, si vous avez un problème de pauvreté, il faut tout simplement cacher la pauvreté. Vous habitez dans Primrose, vous mettez une autoroute dedans, et dès que les pauvres sont là, les autres sont ici. Mais ce qui est aussi ironique, c'est que les pauvres, il ne faut pas qu'ils soient trop loin,
que c'est eux qui balayent vos maisons. Donc, il faut qu'ils puissent venir le matin et rentrer le soir. Mais il faut qu'ils rentrent quand même. Ah. La fuite des capitaux, en fait, c'est un phénomène historique. Ce n'est pas la première fois que les ressources de l'Afrique alimentent le reste du monde. C'est un pillage qui a commencé même avant la colonisation. Vous avez, vous vous souvenez du cas du roi belge au Congo, il prenait tout, le cuivre, les bois, pour enrichir, pour s'enrichir lui-même. Donc en fait, ce qu'on voit en termes de fuite de capitaux, exploitation des ressources naturelles, c'est la continuation de ce pillage. J'appelle ça pillage public-privé. Donc, c'est une collision entre les entreprises publiques, les entreprises privées et les gens qui sont dans le système du gouvernement, qui sont supposés protéger les intérêts du gouvernement. Puisque ces contrats qui permettent aux entreprises d'exploiter des ressources, de ne pas payer des taxes, de ne pas rentrer les devises, c'est signé par un gouvernement. Nous, par exemple, quand on regarde les différences à travers les pays, et même au sein du pays, je vous ai parlé du Ghana. Au Ghana, un franc d'exportation de coco, il rentre au pays, en dollars. Pour l'or, c'est à la tête du client. Il y a des entreprises dont le pays signe des contrats avec les entreprises, et dans le contrat, il y a une clause qui dit le pourcentage des dollars d'exportation qui doivent être rentrés au pays. Et pour certaines entreprises, c'est 60% qui doivent rentrer, pour d'autres, c'est 15%. Ça dépend de la capacité de négociation. Mais souvent, on dit que les pays africains sont riches puisqu'ils ont augmenté les recettes d'exportation. Mes chers amis, Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, recettes d'exportation n'est pas égal à devise. C'est pas la même chose. Les rentrées de devise ne sont pas égales aux recettes d'exportation. Si une entreprise exporte pour 100 millions et met 50 millions dans ses coffres de Bahamas, dans ses banques de Bahamas, et rentre seulement 50, le pays a eu 50. Même si les exportations, c'est 100 millions. Donc, si je demande combien sont les réserves du pays, ne peut pas me montrer les exportations. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de savoir c'est combien qui rentre dans le pays. Parce que des entreprises utilisent les recettes pour que ça puisse payer les dépenses d'importation. Si c'est dissimulé dans les banques inconnues, ça, ce n'est pas utile pour le pays. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse retracer les recettes et comment ces recettes sont gérées dans les comptes du pays où l'entreprise peut montrer qu'ils ont utilisé ça pour payer des importations, des équipements et tout ça. Là, alors, le pays peut dire qu'il a bénéficié des exportations des ressources naturelles. Donc, à l'ère moderne, la différence avec l'ère de la colonisation, c'est que le pillage n'est pas fait par le roi King Léopold, il est fait par les entreprises multinationales qui ne suivent pas les règles de jeu. Mais aussi, c'est facilité par des dirigeants qui ne sont pas nationalistes, qui ne font pas obéir les lois du pays. Et aussi les banques qui, avec l'argument du secret bancaire, protègent la dissémination des richesses du pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, c'est, d'après ce que j'ai présenté, vous avez vu que le problème de la fuite des capitaux est un phénomène mondial. La première chose qu'il faut faire, donc, il faut changer la conversation et cesser de dire que la fuite des capitaux est un problème des pays en développement seulement. Puisqu'en fait, même les pays développés en souffrent.
Les pays qui reçoivent ces fonds, ils en souffrent. Dans notre livre, nous avons fait une analyse du secteur mobilier dans les grandes villes des États-Unis. C'est-à-dire, on regardait des transactions sur les grands bâtiments d'une valeur de 1 million ou plus. Et on a remarqué que plus de la moitié de ces transactions sont faites en dehors des États-Unis, dans des paradis fiscaux. C'est-à-dire, c'est de l'argent qui vient des paradis fiscaux, il n'arrive pas aux États-Unis. Et l'effet, c'est quoi? Ça renchérit le prix des maisons. Et le citoyen ordinaire moyen américain va payer des loyers plus élevés, des maisons seront plus chères. Donc, c'est aussi un problème pour les pays africains qu'un problème pour les pays développés. Donc, ça demande une solution mondiale. Est-ce que vous pouvez avancer la page? Voilà. Donc, il faut adopter un cadre multidimensionnel pour résoudre le problème de la fuite des capitaux. Il faut un partenariat mondial. En Afrique, il faut commencer chez soi. D'abord, il faut changer le paradigme de la gestion des ressources naturelles. J'ai vu sur la liste des invités qu'il y avait OBM. S'ils peuvent me donner 30 secondes après la conférence, je serai très honoré. Puisque je vois des choses qui sont similaires dans tous les pays. L'année passée, j'étais en visite au Ghana. Je travaille sur l'or et le coco. Mon collègue me dit, Léon, comment ça va le pays, ça marche. Il dit, on vient même de découvrir du lithium. Alors je dis, ça c'est très bien. Parce que le lithium, c'est un des produits prisés dans la transition vers l'énergie renouvelable. Je dis, j'espère que vous n'allez pas faire la même gaffe dans la gestion des contrats. Il dit, prof, you're too late. It's already done. Il dit, professeur, c'est fini. On a déjà donné nos contrats à une compagnie étrangère dans le même système de concession. Moi, je dis, mais what's wrong with Africa? Pourquoi est-ce qu'on fait les mêmes choses chaque fois en espérant des résultats différents? Ce n'est pas possible. Donc, on doit changer la façon de gérer les ressources naturelles. Je vais vous donner un exemple. Le Botswana, l'un des produits producteurs de diamants. Dans le passé, c'était De Beers, l'une des grandes compagnies minières qui exploitait le diamant, allait laver ça à Amsterdam et au Botswana, on recevait les rentes et les redevances. 4%, 3%, je ne sais pas, et les taxes. Mais le Botswana, éventuellement, s'est réveillé de sa torpeur. Il dit non, ça, c'est pas bon. Maintenant, le gouvernement d'État botswanéen est actionnaire dans De Beers à hauteur de 10%. Le capital investi au Botswana, ça veut dire quoi? En plus des redevances, de la taxe et tout ça, l'État botswanais reçoit une proportion des profits de De Beers. La valeur de De Beers augmente, Botswana reçoit plus. Pourquoi est-ce que les autres pays ne font pas ça? La rente, ça ne va jamais augmenter tellement. Et aussi, c'est des contrats qui sont signés maintenant. Ils sont basés sur des estimations de la tendance des prix des produits miniers. Ils sont très, très volatiles. Mais si vous êtes actionnaire dans l'entreprise, voilà, l'entreprise a des profits, vous avez des profits aussi. Donc, s'il vous plaît, changez le mode de gestion du secteur naturel, changer le genre de contrat que vous signez avec les entreprises. Les gens me disent, oh non, si vous changez les choses, les entreprises vont partir. Ils vont partir où? Où? Puisque les entreprises savent que même avec de bons contrats, ils gagnent de l'argent. Ils vont rester. Il faut lutter contre la surfacturation
des importations, la surpalpation des exportations, mais aussi développer la digitalisation pour renforcer l'intelligence financière. Ça, c'est absolument important. Aussi, pour que chaque réforme marche dans un pays, il faut qu'on ait une approche qu'on appelle en anglais « one government approach ». Il faut que le gouvernement soit uni. L'économie est un système. La réforme économique doit être conçue comme un système. Les réformes que les questions que je suis en train de citer, ce n'est pas le rôle du ministère des Mines seulement. Il faut que chaque gouvernement se sente responsable. Il faut que chaque gouvernement, chaque ministère sente la responsabilité de contribuer à cette réforme. On peut parler de la réforme du marché de change, on peut parler de la réforme du régime de contrôle de l'inflation. Souvent, les gens pensent que c'est la BRB qui doit faire tout ça. La BRB ne peut pas réformer le marché de change sans la coopération des autres parties du gouvernement. C'est impossible. Je viens de passer 2 semaines avec les collègues. Le thème, c'était exactement ça. De montrer que la détermination du taux de change et du taux d'intérêt est le résultat de la synergie entre la politique monétaire, la politique fiscale et les politiques sectorielles. Donc si on croise les bras et on dit la BRB va trop fixer, attendez. En lingala, on dit « okozera trop ». C'est-à-dire vous attendrez trop longtemps. L'autre chose qui est très très importante, c'est que on doit l'Afrique, pour que l'Afrique puisse arrêter l'érosion de ses ressources, il faut la coopération des partenaires. Puisque en définitive, cet argent va dans leur pays. C'est pas utile que les partenaires continuent à donner de l'argent en Afrique avec une main et l'autre main prend l'argent. C'est pas possible. On n'arrive nulle part. Donc, même pour les partenaires en développement, ils ont avantage à ce que la fuite des capitaux soit maîtrisée. Et je sais, par exemple, que les institutions de Washington sont très intéressées là-dessus. Avec mon collègue, le mois prochain ou en octobre, nous avons été invités pour faire une présentation à la Banque mondiale. Parce que la Banque mondiale, le comité de direction peut intéresser sont intéressés à entendre comment l'Afrique peut, ou les pays en développement en fait, peuvent résoudre son problème. Donc, ça veut dire que le gouvernement a des possibilités d'utiliser la coopération internationale pour promouvoir la discussion sur son problème et, par exemple, engager un projet de recherche extensive sur le problème de la fuite des capitaux. Et ça sera ma dernière recommandation. Merci beaucoup. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guharanira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze.